Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires 2 HD. Aujourd'hui, nous attaquons à la 6ème mission du Didacticex intitulée Forger une alliance. Nous verrons les bases de la diplomatie. J'admets que cette base de diplomatie est assez faible dans Age of Empires 2 au niveau du solo ou en multijoueur, ça peut être très intéressant. Nos coffres se sont vidés pendant la bataille de Stirling et nous devons à nouveau reconstituer nos économies. Avant de poursuivre vers le sud sur les terres occupées par les Anglais, nous devons reconstruire un marché et établir des voies commerciales vers les villages des clans amis. Les légendes locales parlent de reliques sacrées cachées au sud de Stirling. Si nous entrons en possession de ces objets, cela remontera bien le moral des Écossais. L'armée écossaise a repris des forces grâce aux récentes victoires sous les Anglais. La situation commence à s'améliorer. Saviez-vous qu'il existait trois différents modes pour la mini-carte en bas à droite de l'écran? Vous pouvez soit afficher seulement les unités militaires, ou soit afficher seulement les ressources et les unités commerciales en cliquant sur les boutons situés juste en bas à droite de la mini-carte. Pour remonter le moral de notre armée, récupérez des reliques sacrées et mettez-les dans notre monastère. L'une des reliques est près de votre but. Un allié possède une autre relique et les Anglais ont pris la troisième. Vous pouvez récupérer une relique en cliquant sur un moine et en cliquant avec le bouton droit sur la relique. Les moines possèdent également d'autres capacités. Ils peuvent soigner vos soldats blessés ainsi que ceux de vos alliés. Ils peuvent aussi convaincre les soldats ennemis de rejoindre votre armée. Bien, vous avez une relique? Mettez-la à l'abri dans le monastère en cliquant sur le monastère avec le bouton droit. Parfait. Vous avez maintenant une relique placée en lieu sûr. Les reliques gardées dans votre monastère vont lentement ajouter de l'or à votre réserve. Les fermes représentent une bonne source de nourriture une fois que vous avez épuisé les ressources des buissons et les animaux. Les fermes se construisent comme des bâtiments et doivent être régulièrement reconstruites. Pour obtenir de la nourriture d'une ferme, cliquez sur une villageoise et cliquez avec le bouton droit sur la ferme. Vous avez atteint la ville de votre allié. Entrez-y pour voir ce qui s'y passe. La porte de votre allié s'ouvrira automatiquement pour vous. Bienvenue. Si vous êtes venu pour la relique, vous pouvez la trouver sur la colline au nord-est de notre ville. Donc, en vrai, qui est un horreur de notre vie. Faut savoir qu'il y a des animaux sauvages, donc jeu, qui attaquent toute unité, villageois ou autre. Automatiquement, sauf les moines. Donc, généralement, quand vous essayez de récupérer une relique, c'est bien d'avoir des alliés sur la carte. Votre allié, le joueur jaune, peut vous aider à combattre l'ennemi. Vous pouvez aussi faire du commerce avec vos alliés. Pour faire du commerce, vous devez construire un marché. Hop. Je manque quand même de bourreaux. Je vais mettre là-haut. Ah voilà, je cherchais de l'eau. On a juste là. Si, il y a deux sangliers. Sangliers, quand vous les chassez, ils vont vous attaquer, mais ça rapporte énormément de nourriture. Ça peut être très rentable quand on a un certain nombre de villageois en début de partie. D'aller les chasser. Mes troupes, je vais les replier. Donc, actuellement, je n'ai pas besoin là-bas. Je vais faire les recherches habituelles. Vous avez un marché. Le marché peut créer des charrettes de commerce pour générer de l'or supplémentaire.
grenades. Vous pouvez aussi échanger une ressource avec une autre au marché en payant une petite taxe. Cliquez sur le marché, puis cliquez sur « Vendre de la nourriture pour de l'or ». Hop, hop, en bas à droite. Donc ça c'est bon, pistage ça va être bon. Cartographie, alors grâce à Forgotten, elle deviendra gratuite cette technologie. Ce qui est pas plus mal parce que à payer c'est affreux. Ah mince, j'ai oublié de la mettre là-dedans. Vous avez maintenant deux reliques placées en lieu sûr. Si vous en rapportez encore une, vous avez gagné. Les Anglais attaquent notre ville. Pouvez-vous nous venir en aide en nous fournissant de la nourriture ou de l'or? Merci pour les ressources. Si vous avez des soldats de réserve, venez à notre ville et nous chasserons les Anglais. Pour faire une contribution à l'allié, cliquez sur le bouton diplomatie situé en haut à droite de l'écran. Donnez à votre allié de la nourriture et de l'or, mais ne lui donnez pas tout ce que vous avez. Vous en aurez besoin. Il va rien faire, ça sert à rien de lui donner des ressources, il va rien en faire. Je les ai donnés pour une tacticienne, mais voilà. Donc il y a deux sangliers ici, c'est parfait, j'irai chasser un petit peu après. Donc comme vous voyez, j'explore vite la map. Hein. Voilà. 4, je vais en faire 3 de plus pour la chasse aux sangliers. Les villageois et les soldats apparaissent normalement en dehors du bâtiment où ils ont été créés. Vous pouvez déplacer vos unités vers un point lorsqu'elles ont été créées en utilisant les points de rassemblement. Afin de déterminer un point de rassemblement pour l'infanterie, cliquez sur votre caserne, cliquez sur définir point de rassemblement, puis cliquez à l'endroit de la carte auquel vous voulez que votre infanterie se regroupe. Oh. Il va pas lui raser sa base, donc je vais pas stresser pour ça. On n'est pas à paniquer non plus. Hein. J'ai donné un signal. Petite mystique. Est-ce que je préfère mes petits chariots de commerce? Oui, j'ai 500 or, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est bon. Ici, on va les envoyer là. Faire ici un petit moulin. Vous pouvez utiliser l'arbre des technologies pour visualiser les technologies et améliorations que vous pouvez rechercher. Cliquez sur le bouton arbre des technologies situé en haut à droite de l'écran pour voir l'arbre de votre civilisation. Ouais, je vous l'ai présenté dans une de mes vidéos précédentes, dans une des premières, je crois, à toute première ou à seconde, je sais plus. Je crois qu'il y a des goûts dans cette forêt, j'ai un doute. Alors pourquoi je construis un moulin ici? C'est pour être plus c'est pour éviter le temps de trajet. Hein. Faut que tout le monde s'éloigne, d'être plus loin possible avant de tirer dessus. Voilà, c'était légèrement baissé. Le problème, c'est vu qu'il est collé, tout le monde pourra pas travailler dessus, je parie. Il y en a deux, il y en aura un en rab. Ouais, bon, tant pis, ça arrive. Alors, la bouffe va s'accumuler assez rapidement de cette manière-là. Vous voyez, ça s'épuise très vite, hein, de cette manière-là. Tout rechasser le plus vite possible, ça vous rapporte vite plein de ressources. Ça va être très vite rentable. Donc la chasse est vraiment l'un des outils les plus intéressants de ce jeu. Enfin, pour avoir des ressources en début de partie, il faut pas se dire ah faut faire des fermes tout de suite, voilà c'est mieux. Non non, vous faites comme ça et c'est bon. Tour de guet a été fait. Ah bah voilà, si il y a des goûts, j'ai bien raison, il y a des goûts dans cette forêt. Bon, je vais aller buter. Voilà, on peut aller dernière époque dans cette dans cet épisode, mais je vais pas le faire.
parce qu'on n'a pas d'utilité. Le baisse un peu, c'est pas grave, je vais avoir un moine et un moine soigné. Je peux passer à l'époque supérieure, à un château, il faut deux bâtiments ou un château. Voilà, deux bâtiments. Mais ah non, je suis à Cheféodac, je passe à des châteaux. Deux bâtiments, donc c'est forge, marché, écurie ou camp de tir à l'arc. En gros, grosso modo, les bâtiments que vous ferez. Généralement, c'est deux bâtiments, c'est généralement ce bâtiment-là plus la plus l'un des deux bâtiments qui arrive. Voilà, le loup a été tué. C'est pour l'âge impérial, l'âge impérial demandera deux bâtiments ou un château. Ouais. Hop, 33, 34. Full vie. Ouais. Alors là, je vais juste attendre. C'est. Je vais juste engraisser 4 ici. Pour mes fermes. Je veux quelqu'un qui maximise au maximum l'emplacement pour les fermes. Hein. Donc 4 fermes autour d'un moulin, pas plus pour moi. J'évite de. Enfin. J'évite d'être le. J'essaie toujours en fait de maximiser ma rentabilité, même si ça me coûte un peu plus cher. Sur le long terme, je sais que c'est mieux. Donc j'en profite. Alors, âge de château est bientôt là. Alors, pourquoi attendre âge de château? Bah, âge de château, vous débloquez non seulement bah, vos meilleures unités avec. Avec le château, donc vos unités uniques, mais aussi vos armes de siège qui vous seront très utiles par la suite. Temps pour péter des murs. Voilà. Ça, on fait très vite cette technologie là. Je suis à l'âge château, donc ici tout coûte dehors dans ce bâtiment là. Il me faudra 5, peut-être plus, on verra bien. On va attendre un petit peu. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Donc ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que vous avez énormément de modes qui sont réalisés par la communauté. Je vais en rajouter juste un. Donc, tout reste va aller là-bas. 4. Ah, donc, niveau pouf, je serai bien mieux comme ça. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 8. Je les ai parfaitement bien mis. Enfin, j'ai le plus optimisé possible l'espace. 4 autour, 8 ici. 4 autour de là. Ça a quand même son charme, ça ferme là, mais je trouve que ça dénaturise un peu le graphisme du jeu. Alors ici, ça permet d'aller plus vite les charrettes, mais c'est pas notre priorité actuelle. Qui est de récupérer de l'or. Enfin, pas forcément récupérer de l'or, mais récupérer des ressources. Alors, faire cette recherche là, celle-ci a été faite, celle-ci va augmenter ma vitesse de cavalerie. Je vais faire énormément de technologie pour prendre un grand avantage sur mon adversaire et me simplifier la fin de la mission. Ici, quand j'aurai la bouffe, voilà. Donc mes unités dépasseront encore plus vite pour récolter jusqu'à 20 de ressources. Ce qui est non négligeable. Ici, dès que j'ai la nourriture, je vais faire la charrette. La scie à arche pour encore récolter plus vite mon bois. Voilà. Après, j'ai de nouveaux bâtiments. Donc ici, je débloque le monastère, l'université et le château. Donc, il me faut plus de... Et le forum. Ah oui, je peux construire maintenant plusieurs forums.
ainsi. Le forum, ça route de 5 d'habitations de base, si je me trompe pas. Et après, ça se passe de 5 d'habitations. Oui, c'est 5 d'habitations, oui, parce que dans la mission d'avant, on n'avait qu'un forum, on avait 5 de pop max. Donc ça donne 5 de population maximum. Ce qui est déjà pas trop mal, hein. En soi, on va pas s'en plaindre. Et en plus, ça donne une bonne protection et ça vous permet surtout d'avoir une deuxième file d'unités de villageois à produire, ce qui peut être, ce qui est très vite très rentable en fait. Donc je. Donc toi tu vas y aller. Alors je vais faire des tireurs d'élite pour ces arbalétriers, voilà, tout simplement. Il faudra aussi que je récupère du bois par la suite. Donc j'ai 1000 de bois pour construire mes 10 charrettes de commerce. Hein. Donc ça c'est bon. Ça ne demande que de la nourriture, on le fait. Je sais pas. J'hésite en ce que je vais faire ou pas. J'ai assez d'or. Pour l'instant, j'ai assez d'or. Je vais plutôt me concentrer sur la pierre. Vous avez maintenant assez de soldats pour envisager d'attaquer les Anglais et récupérer leurs reliques. Je vais prendre cette pierre parce que ça me permet de faire des châteaux. Les châteaux sont une structure défensive très importante. Portée de 8, garnison 20. Donc 20 unités pour entrer dedans. Et surtout, ça vous rapporte 22 pop. En plus, donc un bon château. Si vous êtes prêt à attaquer les Anglais, je peux vous donner un coup de main. Ici, prenez cette nourriture et ce bois. D'accord. Il n'y a pas deux minutes qui viennent me dire on avait un problème. Alors bon, on va faire université. Unité de siège, on va mettre là on va envoyer mes troupes. Je crois que j'ai laissé un moine quelque part. Non, ça c'est bon. J'aurais peut-être dû faire plus d'unités d'infanterie. De corps à corps, je précise. Là, je vais sûrement avoir plein de pertes, mais c'est pas grave. Donc ça c'est bientôt bon. Voilà l'avantage d'avoir des moines derrière, c'est que ça sonne vos troupes en même temps. Enfin, un moine soigne qu'une seule unité à la fois. Donc, si vous avez 10 moines, ils soigneront pas les 10 en même temps, en même unité. Ils se répartiront le travail. Ils soigneront 10 soldats d'un coup. À moins que vous donnez l'ordre de soigner la même unité. Sinon, ça ne passera pas. Alors, voilà, ici je vais faire un bélier ou deux même. Vous avez créé une charrette de commerce. Si vous cliquez sur la charrette de commerce, puis sur le marché de votre allié, je vais faire directement le trajet. Vous pouvez générer de l'or supplémentaire. Ah, j'ai un bélier. Votre charrette de commerce fera automatiquement des allers et retours entre votre marché et celui de votre allié.
Ah. Alors ici, je peux augmenter la résistance, la vitesse de construction, meurtrière, donc il n'y a plus de portée minimum pour les, pour les tours et les châteaux. Tour de garde, mur amélioré. Meilleure précision, mouvement des unités. Et maintenant, je peux accumuler des ressources pour... Cage impérial, donc qui me permettrait d'avoir une meilleure unité. Bon, si je passe à impérial, c'est bien. Si je passe pas, c'est pas grave. J'en ai pas besoin pour cette mission de l'âge impérial. Voilà, donc ici, j'en ai largement assez. Ah oui, j'ai une droit qu'à 75 de pop actuellement. J'ai pas le droit aux 1200 de pop ou plus. Voilà. En fait, il y a deux entrées, une ici et une là. Encore, mes béliers vont faire le trou dans la porte. Et vous pouvez mettre des troupes en garnison dans le bélier, ce qui permet d'augmenter sa vitesse de déplacement. Voilà, donc, mes troupes peuvent rentrer. Hop. Je peux passer à l'âge impérial. Je vais récupérer ça. Et voilà. Donc là, je vais récupérer. Soit vous détruisez entièrement les Anglais, vous gagnez, soit vous ramenez un relique et c'est fini. Donc moi je vais finir la mission, hein, je vais pas perdre de temps. D'ailleurs je vais faire une recherche ferveur pour que moi ne se dépasse plus vite, comme ça ramènera plus vite la relique. On voit là ici les chars de commerce commencent à bien me rapporter de l'argent. Hein. Alors j'impérial que j'y passerai pas, c'est pas grave. Donc la mission en soi, ça reste une mission d'accès très simple. Simplement, faut adopter, bah, faut être minutieux. La dernière mission elle sera un peu plus dure, mais elle sera encore assez simple. Hein. Donc ça c'est bon. Félicitations, vous avez pris les trois reliques. Voilà. Il est quand même chiant, je trouve, ce bug-là, qu'il me quitte pas automatiquement quand j'ai réussi. Ça doit être depuis la dernière mise à jour. J'avais pas souvent ce que j'avais ça. Avec les trois reliques enfermées en lieu sûr dans les églises écossaises, les hommes murmurent que nous sommes bénis par les dieux. Notre armée a maintenant une chance alors que nous nous préparons au conflit final avec les Anglais. L'Écosse a ses propres archers et ses chevaliers avec lesquels aller au-devant de Longshanks. Nous marchons vers le sud, à Falkirk, où nous allons rencontrer l'armée de William Wallace et préparer notre attaque alliée du château anglais. Mais cette attaque-là sera pour la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.
et à tuer tout le monde en commençant à regarder en ma compagnie cette vidéo.